Salut tout le monde, c'est SuperHuc22, je suis aujourd'hui pour la troisième partie, oui c'est la troisième partie de ce let's play de Nightmare House 2. Je suis en compagnie de, c'est bien ça, c'est Lully. Voilà, bravo. Voilà, Lully. Donc Lully, voilà, Lully. Tu feras de la pub sur BTR Radio, n'est-ce pas? Hein, quoi, ouais, si tu veux. Ok, alors c'est parti. Je vais poster le message, j'espère que tu le feras. Comment tu fais le message, tu copies-colle. Ok. alors, on s'est arrêté ici, donc j'ai regardé l'ancienne vidéo. Donc, j'avais pas regardé l'animation, là j'ai regardé. Là, ce flashback, c'était quand même beau. Et quand je l'ai réveillé, elle s'est barrée. Non, mais tu comprendras quand tu regarderas le deuxième épisode, qui n'est pas encore en ligne. Ah oui, moi j'ai vu que le 1, alors je vais être paumée, mais c'est pas grave. Voilà, elle a vu le plus important, c'est-à-dire la photo de moi. Alors, c'est parti. C'est parti. Le traumatisant surtout. Excusez-moi. Fermons la porte. Je ne sais pas du tout où je suis. Comme disait, je me rappelle plus qui. On sait jamais ce qui peut sortir. Oh, attends. Ne jamais quitter l'hôpital. Il y a de la maintenance. Seulement les membres entraînés, le staff, les patients et les docteurs peuvent sortir. Les patients, pourquoi les appelle-t-on comme ça? Ouais, parce qu'ils patientent. Voilà, oui, je parle à vous. Oui, je parle à vous. Oh, c'est qui qui me fait psit? J'entends un psst. Encore comme la dernière fois, le psst. Qui m'a fait vraiment chier, le psst. J'ai peur. Non, j'entends pas de psst, moi. Non, normal, t'entends pas le son. Tu n'es pas mort. Je prédis que tu n'es pas mort. C'est pas possible, tu peux pas être mort. Non, parce que sinon je ne te parlerai pas. Je parlais au cadavre. Non, sans blague. Donc, contrairement aux deux premiers épisodes, l'assistant cette fois est en partage d'écran sur Skype, ce qui fait que je lag deux fois plus. Et voilà. Vive moi, comme j'ai dit. Voilà. Si je n'existais pas, vous n'aurez pas une vidéo de qualité aussi pourrie. Voilà, c'est ça. Alors, avance. Il n'y aurait personne pour le rassurer. En plus. Vous n'auriez donc pas de ce let's play magnifique. Oh, punaise. C'est horrible. Donc je vais tellement le distraire qu'il va peut-être moins gueuler. Voilà, c'est ça. Il faut pas trop me distraire. C'est pour ça que j'ai gueulé dans le premier épisode. Parce que j'étais trop distrait, donc je m'attendais pas à ce que j'allais voir. Ah, bah c'est marrant alors. Bon, je passe. À tous les coups, comme dans le deuxième épisode, il doit y avoir un truc par la fenêtre de pété, un ordinateur, des bonbonnes de gaz, ça doit être ça. Du gaz? Je déteste les fuites de gaz. Alors, deux petites secondes, ellipse. Donc normalement, j'ai baissé encore les graphismes de mon jeu, j'espère que ça va aller. Ouais, j'ai pas l'impression. Bref, tirons. On appelle ça la qualité pourrie. Voilà, c'est ça. Boum, boum. Boum. Ah, et boum. Ouh là, j'ai eu un gros lag dans le partage d'écran, encore plus qu'avant. Ouais, non, là je lag trop. Je crois que je vais stopper le partage d'écran, c'est plus possible. Ouais, en plus ça va faire un gros lag sur la vidéo. Vas-y, j'arrête le partage d'écran, c'est plus possible, désolé. TeamViewer, tu connais? Ouais, non, je vais pas faire, désolé. Bref. PG. I am alone. I'm not speaking English. Je suis tout seul. Ah ouais, ok. Bah non, enfin, je suis encore là, je ne vois pas ce qu'il voit, on va dire. Donc je vais encore vous faire chier, excusez-moi. On trouve un piton. Écoutez, je sais que vous pouvez la voir. Elle veut quelque chose de vous. Juste, faites attention. Je traduis le dialogue. Le reste du hall est bloqué par des écroulements. Retournez dans la laverie, derrière la troisième machine, et il y a un conduit d'aération. Ok. C'est bien. Je sais pas pourquoi, mais ça sent un screamer là. Je sais pas, je vois pas. Non mais là, ça sent le screamer. Ouais. Le screamer va venir.
Le screamer va vaincre. Tout petit screamer, vraiment rikiki. Bon, alors allons voir cette là. La fenêtre s'éteint. Ah bah c'est logique. Ça te rappelle le cadavre? Ouais. C'était pas un cadavre. Tiens, meurs. Ah oui, le cadavre qui ne l'est pas. Ah ouais, moi je me rappelle très bien. Et voilà, là il est mort maintenant. Enfin, j'espère. Le premier screamer que t'as vu? Enfin, le premier. Oui, le, cada... que t'as vu. Le cadavre que t'as vu, que j'ai vu au début là. Oui, il était par terre, qu'il avait des trucs sur les. Qu'il avait le bas sur les chiottes et puis le reste devant soi. Non, c'était. Non, c'est... pas lui. Un non. autre? Oui, là, celui que je viens de rencontrer, tu sais, celui qui était allongé par terre en tenue verte. Ah ouais, ok, que tu disais lui, je suis sûr qu'il est vivant. Voilà. Ok. Et bah oui, il l'était. Je joue à Minecraft là, je pose des blocs les uns dessus les autres. Je sais pas pourquoi, mais je sens que. Ah! Alors je me rappelle cet endroit. Minecraft! Je me rappelle cet endroit. Bouh! La première fois, j'avais gueulé comme un fou quand j'ai vu ce cadavre. Ouais, là par exemple, t'as pas gueulé, c'est pas drôle, c'est plus drôle quand tu gueules. Fais un sondage, ceux qui préfèrent regarder tes vidéos quand tu gueules et quand tu gueules pas. Voilà, c'est ça, faut. C'est plus marrant parce qu'on se fout de ta gueule. C'est quoi ça? Y'a quelque chose qui a tapé le conduit, ça fait boum 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 boum. J'ai peur. Bah c'est un truc vivant. Déjà. Normalement je devrais être le dernier survivant de cet hôpital. Il devrait pas y avoir grand chose de vivant. À part moi. Et... Ouais bah les morts alors. Les morts qui bougent. Oui voilà, on appelle ça des... Morts vivants. Ah non, des morts vivants, c'est une antithèse. Enfin c'est... Ouais c'est pas normal. Oui, bah, tu me diras, des gens qui sont morts et qui bougent, c'est pas plus normal quand même. Y'a rien. Bon. Un fantôme alors? Attends. Une porte défoncée, des toilettes où il y a plus de toilettes, et du sang partout, du sang partout et des recherches de Magnum. À mon avis, ça sent le screamer dès que je vais sortir. Bah, sors. On verra bien. Je prends les balles. Je me casse. Ah, bingo, j'ai entendu quelqu'un chialer. Je suis trop fort, t'as vu un peu? Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un bouton. Ah, oh, bah oui, logique. Le cliché de base. J'appuie sur le bouton, coupure d'électricité. Le cliché de base. Pff, ridicule. Oh la vache, ça m'a fait peur elle. Et peur. Dieu. Qu'est-ce qu'il a, ton Dieu? Aide-moi, j'ai peur. C'est ça que tu veux? C'est des cris comme ça que tu veux, c'est ça? Ah! Ouais, je suis sadique. T'es pire que sadique là. Non, quand même pas. Aïe! C'est qui me tape? C'est qui te tape? Quelqu'un m'a tapé. Ouais, je sais qui te tape, c'est la personne qui te tape. Oui, je pense aussi. On a passé un paradoxe. Ah, tu crois aussi? Je suis pas sûr. Je suis devineresse. On dit devin, mais pour ça, tout va bien. Non, le féminin c'est devineresse. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai trouvé le générateur électrique. Ah. Mais ça, je le sais depuis que j'ai 7 ans presque. Franchement, non, mais il y a des gens. Bon, j'imagine. C'est que... comme quoi, ils sont en terminale et qu'ils me disent qu'ils savent pas ce que veut dire celle d'homme, quoi. En anglais? Ouais. Bah, celle d'homme, ça veut dire parfois. Ouais. Bah, Yana, je m'en rappelle plus pourquoi on avait commencé à parler en anglais. Puis je leur sors une phrase avec celle d'homme. Ils me disent, mais ça veut dire quoi? Les gens, ils sont en terminale. Faut arrêter de blaguer, quoi. Mais trop, moi, je suis en troisième. Moi, je t'ai vu en cinquième, ça. Eh, attends, juste pour dire, je suis en troisième. Et ma prof, en fin de troisième, on doit atteindre le niveau A2. Et ma prof, au bout du troisième cours, elle m'a dit, toi, t'as déjà le niveau B1. Je dis, ok, c'est cool, merci. Ça c'est fait, ça c'est fait, je suis tranquille pour 2 ou 3 ans là. Mais B1 c'est nul? Non. C'est mieux. Bien c'est ce qui est mieux. Et là bien sûr il y a ma langue qui s'amuse à faire tic 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 tic. Ouais mais en fait, dans la vidéo j'ai jamais vu la lampe qui était tout le temps allumée, elle faisait tout le temps. Mon dieu. Elle clignotait quoi. Non mais je l'éteins en fait pour recharger la batterie, mais des fois elle fait tic 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 tic. Comme une folle. Qui dit qu'elle est pas folle? Oh de la lumière! C'est pas rassurant. Alors, oh de la lumière! Comme si c'était son salut! C'est pas rassurant. Allez, entre en cours.
Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Oui, quoi? C'est quoi ça? Un truc? Il faut combien de balles? Il faut combien de balles 12. Pour mourir? 12. Ah, pour mourir? Bah, il suffit d'une dans la tête et ça, normalement, ça marche pour toi. Je suis à mon deuxième chargeur, il vient de mourir. Ah, bah ouais, bah c'est cool la life. C'était le flic qu'il y avait au début du deuxième épisode. Ah oui, moi j'ai pas regardé le deuxième épisode. Normal, il est pas en... Il était pas encore en ligne. Il est pas encore en ligne. De toute façon, ça fait peur quand on voit premier épisode invu. Mais normal, il vient d'être mis en ligne, lui. Je sens très mal cet endroit-là. Je comprends pas pourquoi tu t'appelles Super Luc. Tu te trouves vraiment super? Non, mais ça c'était quand j'étais petit, c'était un machin qui couche. Je me demande si je vais pas changer mon tag d'ailleurs. Super Luc! Ah, pardon. Tu me tapes! Qu'est-ce qu'elle a la lumière? Je sais pas, elle est peut-être malade. Non, attends, faut m'aider là. Là, faut m'aider faut m'aider psychologiquement là. Oui, mais je sais comment faire. Alors, je sais pas, je change le petit poney. Je pense que ça va t'aider. Ah bah c'est bon, t'as l'air d'être bien, tu dis même pas rien, tu gueules même pas. Je suis pétrifié par la peur. Ah je vois. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'avance dans un couloir à l'aveuglette en fait, parce que ma lumière marche pas. Oh mon dieu. Bah, t'as qu'à la faire marcher. Et puis de toute façon, le jour où tu verras une lumière qui marche, tu me le dis. Parce que déjà une lumière, c'est... ça a pas de personnalité propre, enfin pas de... Bah qui fonctionne si tu préfères. Voilà. Oh mon dieu! Oui, mais. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a ton dieu à la fin, quoi? Ça devient saoulant! Légère ellipse. Ceci est une pause santé mentale. Faut y retourner. Pourquoi? Et la lumière, elle continue de jouer à la folle. Mais bon, y a pas de zombies là. Hein, ça suffisait déjà. D'accord, c'est fermé, ça me rassure. C'est-à-dire que j'aurais pas à explorer cette zone. Oh, des ouais, échelles. Ils vont te dire. Des échelles, ça présage rien de bon. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils t'attendent en haut et qu'ils te font tomber? Non, mais dans le premier épisode, tu te rappelles pas? Ah, c'est bon, non. J'ai récupéré ma lampe. C'est au début du premier épisode? Non, mais à un moment, je monte une échelle et puis en haut, il y a un zombie. Et puis, non, en haut, il y a la fille qui apparaît, qui disparaît. Ah non, bah, mais je pense qu'elle clignote aussi, c'est bizarre. Ça, je m'y attendais, vous voyez. De quoi? Il y avait un cadavre devant moi avec à côté une trousse de soins. Je m'approche, le cadavre il est emmené en bas. Il quoi? Il est emmené en bas. Emmené donc, comment? Bah, par la magie du Saint-Esprit. L'opération, on dit. Attention, je suis dans un collège catholique. Hein. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi. T'inquiète pas. Ah, mais je m'en fous. Ah, t'inquiète, hein, j'ai pas encore eu mon heure d'éducation. Enfin, c'est le vendredi, je suis full power catholique parce que j'ai eu une heure d'éducation humaine et chrétienne, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu peux prier Dieu pour moi, s'il te plaît? Ahem. Oui. Je peux chanter une petite chanson de joie si tu veux, mais. Il y a encore que l'on refrain, mais bon. Tu vois, en fait, un truc qui pourrait me rassurer serait gentil, tu vois. Plutôt que de faire de l'humour noir, un truc qui pourrait me rassurer, ça m'aiderait, tu vois. Est-ce que attends, je cherche mon truc de chant de chrétien. Si je trouve quelque chose, je te le dis. D'accord. Si je trouve quelque chose noir, je te le dis aussi. Noir. Mais je pense pas, tel que je connais la prof, elle va pas nous donner des trucs sur Satan. Pff. T'as de la chance. Merci. J'ai toujours pas avancé dans mes deux lignes. Super. Moi j'avance dans un compte d'aération. Et vous savez très bien à quel point je hais les conduits. Oh, alors, là, un long couloir. Tu veux que je te dise le titre des chansons? Sauf que. Attends, je te dis d'abord celle que je connais l'air parce que sinon ça va pas aller. Oh non, mais en fait, je me rappelle de l'air de personne en fait. Je connais juste. Je me rappelle juste l'air de Soyons toujours joyeux. Sans quelqu'un marcher dans l'eau.
Tu veux que je te chante une chanson sur toujours joyeux, mais attention tes oreilles. Merci. Éteins le son. Éteins le son et préviens ceux qui écoutent le... Attends, je me rappelle de ce moment-là. Ouais, je me rappelle de ce moment-là. Et puis maintenant que j'y pense, tu me l'as fait rentrer dans la tête, donc maintenant je vais fredonner pendant presque toute la journée cette chanson. T'es cruel. Aïe, je me fais taper encore. Et l'attention... Ah non, oh Dieu Seigneur tout puissant. Non, c'est bon. De ce pauvre mortel qui va mourir par des zombies. Voilà. Voilà. Celui-là, j'ai pas eu peur parce que je le connaissais. C'est beau. En fait, je passe dans un couloir et de la porte t'as un cadavre qui est éjecté. C'est beau. Oui, c'est beau. En effet. C'est beau la mort. Voilà, c'est quelque chose de sérieux, de mystique. C'est beau la mort. Et voilà, je me rappelle cet endroit. Attention. Bizarre, il était debout normalement. Bon bah c'est fermé. Oui. Mais pourquoi c'est un onglet alors que... Ah, mais c'est mon truc Microsoft Security Essential. Je suis retourné dans l'hôpital. L'hôpital est toujours plus rassurant qu'il est. La psychiatrie ? Oui, t'as bien fait d'y retourner. Non, je. Mon dieu. Oh non. Je regarde pas. Mon dieu. Pardon, c'est. Qu'est-ce qui se passe ? C'est indescriptible. Et t'étais quoi ce truc indescriptible ? Décris-moi. Bah, si je dis que c'est indescriptible, c'est que je peux pas le décrire enfin. Eh ben, essaye! Screamer. Waouh! Waouh! Rien à dire! Waouh! Indescriptible! Dis, essaye! Screamer! Waouh! Bah, j'ai essayé de décrire. La porte vient de s'ouvrir. La porte était fermée tout à l'heure. Cette porte était fermée tout à l'heure. Je n'irai pas regarder dedans. D'accord. Mais ouais, mais tu sais, c'est le système automatique. Je crois que c'était Odot qui t'en avait parlé, non? Oui, voilà, c'est ça, le système automatique. Oui, mais non, mais tu quoi? Non, mais c'est bien. Oh non, là, c'est enfin... encore pire. La porte vient non, se fermer. C'est, tu sais, pour ceux qui sont en béquille, c'est beaucoup plus facile si ça s'ouvre automatiquement. Veuillez m'excuser, petite ellipse. Je vais regarder un sketch de Gad Elmaleh. Pourquoi je suis pas comme le blond, merde. Bref, repartons. Comment? Non, rien, c'est bon. C'est qui? Non, c'est dans le sketch de Gad Elmaleh. D'accord. T'es toujours en train de filmer ton machin, là? Oui, toujours. Là, j'ai recommencé la... Ok. Et pendant que t'es en train... Tu regardes un sketch de Gad Elmaleh pendant que t'es en train de jouer un truc d'horreur. Bah, tu vois, en fait, ça me détend. Tu auras l'explication dans l'épisode 2, comme je le dis. Donc, voilà. Si t'as pas vu le 2, tu peux pas comprendre grand-chose à ce que je dis. C'est bah, ça. Il le 2. Il est pas encore sorti dans les bacs. Il est prêt à être sorti, mais. Oh, bah, donne-le-moi en avant-première. Allume la lumière. Allume. Elle est allumée chez moi. Allume. Elle est allumée chez moi, je te dis, merde. Pardon, mercredi. Mercredi. En plus, c'est vrai, on est mercredi. J'ai pas de lumière. À tous ceux qui regardent la vidéo, je ne peux pas allumer ma lumière. Ah ouais, attends, ça doit faire encore plus horreur sans lumière. On peut pas. Ma lumière est en panne. Et je marche ha. Au ralenti. Ha ha ha. C'est trop. Le ralenti plus ouais, la lumière en panne. Soleil. Attends. Il y a le soleil. Non, écoute, le ralenti plus la lumière en panne, c'est le screamer assuré. Oh mon dieu. Oh mais... Wow putain. J'ai écrit... 8 Arachbus. Bien. Donc, c'est léger... Bien, léger screamer, j'ai récupéré ma lampe. T'es content? Bah, je préfère avoir ma lampe plutôt que rien du tout. Fermé.
Ouais, j'ai pas envie de retourner en arrière, donc je vais avancer plutôt. C'est fermé. Oh oui, je sais ce que c'est. Je me rappelle. Alors, c'est le plus gros screamer du jeu, celui-là. Et c'est la fin du chapitre 3. Remets partage d'écran que je le voie. Ok. Thanks. Alors, tac. Zut. Fail. Hop, partage d'écran. J'espère que tu vas pouvoir le voir. J'espère que ça filme toujours aussi. J'espère que. Bah, j'espère que ça marche. Je suis reparti. Attention. Tu dois pas. Tu bugs pas un tout petit peu plus? Si, Screamer! Je peux pas aller par là. Ouais, je vais essayer de retourner vers l'autre côté. Mais il est pas obscur le couloir. Il y a de la lumière à droite et à gauche. Non, mais alors? Pas obscur. J'essaie d'aller par là. Bah, c'est pas où? Mon dieu, les portes s'ouvrent toutes seules. Mais oui, mais c'est le système automatique. Oh là là. Il y a des zombies. Il y a un mec qui est vivant là. Ah bon? Putain, je vois rien. C'est tout noir. Il vole comme dans le premier épisode. Moi je vois plus rien. T'avais gueulé dans le premier épisode, non? Un peu. Bon, on l'a vu, je sais ce qui se passe. Rassure-moi, je t'en prie. Bah ouais, mais tu veux que je te dise quoi? Alors, tu vas pas mourir, ce n'est qu'un jeu. T'as ton orange porte-bonheur, alors tout va aller bien. Pifou, c'est ça? Aide-moi. Mais je peux pas. Oh, mais enfin, oui, mais. Je veux bien au moins, mais. Je peux pas faire grand-chose, hein. Enfin, je sais pas. Alors qu'est-ce que. Mais tu peux pas allumer la lumière parce que c'est tout noir dans le jeu. Si, elle a allumé la lumière. C'est quoi ce couloir? Ah, si, je m'en rappelle. En fait, je vais vous le dire, mais j'ai quand même les boules. Normalement, elle est pendue au plafond, c'est pour ça que je lève la tête. Je regarde si elle est pas en haut. Normalement, elle est pendue au plafond. Qui? La fille. Ah oui, elle est là-bas, elle est au bout, à la porte. Mon dieu. Oh putain. Il t'avait bien rassuré au fait les deux personnes avec qui. Hein? Au premier ou au deuxième épisode, t'étais bien rassuré ou pas? Là, je suis pas du tout rassuré, tu vois. Quand je dis pas. Inspiration, expiration. Profondément, calmement, pas devant le micro, et tout va aller bien. D'accord. Tu prends une grande inspiration, calme, et tu expires. Doucement, tranquillement, sans penser à avoir peur. Ça va aller, ou pas. C'est juste un jeu. Calme-toi. Exactement. Tu ne vas pas vraiment mourir. Oh, c'est juste un jeu. C'est la d'horreur. La porte a disparu. Il y avait une porte ici. Mais il n'y avait pas de porte. C'était une illusion. Ça va aller. Allez, on se calme. C'est mon esprit qui s'ajoute à la one again ou quoi? Voilà, c'est cela. Donc ce n'est pas toi, ça va aller. Attends. Tu es calme. Tout va bien se passer. Faut pas que je crie. La porte a encore disparu. Mais c'est l'amélioration des trucs automatiques. Maintenant, au lieu de s'ouvrir, elle s'ouvre, mais par en haut, donc. Tellement vite qu'on a l'impression qu'elle disparaît, mais si tu regardes en haut, bah tu verras la porte, quoi. Tu vois? Tu verras une sorte de... Le couloir rétrécit. Mais non, t'inquiète, c'est juste que t'as trop bu, c'est tout. On va compter... Ça va aller. On va compter le nombre de piliers qu'on... Regarde, je vois le bout du couloir. On va compter le nombre de piliers qu'on traverse. Un pilier, deux piliers. D'accord? Ouais. Il y a deux piliers.
Oui. Bah, t'as traversé les deux pieds, je vois Un pas. pilier. Un pilier, la fin du couloir. Ces arbres? Pardon. Bah, peut-être qu'on a bu tous les deux, qui sait? Et là, je peux plus bouger, je peux plus rien. Alors, je regarde pas. J'ai pas regardé. J'ai caché mes yeux. Et normalement, il y a eu le screamer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, il y avait juste la fille. Non, ah t'abuses, je suis coincé dans un bug en fait. Oh, regardez, j'ai des. Un bug du jeu. Normalement, j'aurais dû tomber. Elle va mettre encore combien de temps ta truc machine là? Attends, j'aurais dû tomber là. C'est. Bon, bah, c'était un bug du jeu, normalement, j'aurais dû tomber. Ça aurait dû être le début du chapitre 4. Ah, j'ai des boules. Mais regardez, en fait, voilà. En regardant au plafond, on aurait dû voir ça. Et tomber. Ok, Donc, mais. et après c'était la fin du chapitre. Donc là c'est la fin du chapitre. Donc voilà. Alors c'était Super League 22 et Lululi. Pour Lulili! ah, Lulili, bah pardon, faut que j'apprenne. Lulily! Je suis traumatisé, faut m'excuser, je suis traumatisé. Pour ce let's play du troisième épisode de Nightmare House 2. Allez, salut tout le monde.